Devant la maison départementale des personnes handicapées ce mardi matin, ils sont des dizaines à se mobiliser. Confrontés de près ou de loin au handicap, tous dénoncent les inégalités, voire les injustices qu'ils rencontrent au quotidien. Les difficultés que peuvent rencontrer les usagers, par exemple de la MDPH, c'est des retards de dossiers, avec à la clé des ruptures de ressources, puisque ces personnes sont en attente soit du versement de l'AAH, donc ça crée beaucoup de difficultés. Certaines personnes ont eu des problèmes par rapport à leur logement, donc on imagine tout un chacun, même pour une personne valide, de ne pas avoir de revenus, quelles conséquences ça peut engendrer. Un exemple précis d'une personne malentendante qui rencontre des difficultés, ne serait-ce que pour instruire son dossier, puisqu'il faut savoir qu'il faut renouveler ce dossier. Donc, n'ayant pas d'accompagnant, elle est en rupture de droit déjà depuis plus de 2 ans. 15 ans après la loi de 2005, qui prévoit l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l'accessibilité aux services du quotidien reste problématique pour cette partie de la population. Souvent invisible aux yeux de la société, beaucoup souffrent en silence. Même dans les centres pourtant spécialisés. Souvent, nous sommes confrontés à des situations concrètement non accessibles, comme par exemple la MDPH. Lorsqu'on rentre, on a un problème de communication, on n'est pas accueilli. Donc, il faut avoir un service minimum en langue des signes. Donc quelqu'un qui maîtrise la langue des signes pour faciliter la communication et nous aider au mieux dans nos démarches, dans la société, au niveau des démarches bancaires, administratives, à la CAF. Nous sommes toujours confrontés à cette inaccessibilité d'accueil en langue des signes, ce qui crée des quiproquos, des malentendus. On passe forcément par l'écrit, donc on n'est pas forcément, on n'a pas un niveau poussé en langue de française écrite. Ça nous frustre et ça, quotidiennement, c'est dommage. C'est dommage, on a besoin de s'exprimer. On a un potentiel, on a besoin de connaître tous les éléments d'information de tout citoyen. 12 millions de Français sont aujourd'hui en situation de handicap. Près de 90% d'entre eux vivent aujourd'hui en situation de précarité.